Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la photo de Davy. Il m'a demandé en fait mon point de vue sur sa photo pour savoir ce que j'en pensais et réellement, voilà, qu'est-ce que je pouvais en dire. Alors, le premier point, je trouve que la robe de la modèle ou le pantalon robe, je sais pas trop, est vraiment superbe. La modèle a une bonne posture au niveau du corps, enfin ça j'aime beaucoup, vraiment vraiment. J'aime aussi beaucoup l'ambiance de la photo générale, je veux dire en la forêt, le chemin, voilà, je trouve ça relativement bien. Le ballon, il y a un joli petit effet lumineux, alors voilà, on pourrait comprendre que c'est la lumière, quelque chose, voilà, c'est relativement intéressant. Quand on zoome un peu sur la photo, on s'aperçoit, voilà, qu'il y a un effet Photoshop, parce qu'on se doute bien qu'il y avait un effet Photoshop, voilà, avec des petites stries qui sont pour moi relativement un peu trop nettes. Enfin voilà, j'aurais mis peut-être un peu moins de netteté dans les petits éclats de lumière que tu as voulu dessiner. Après, par rapport à la lecture de la photo, moi j'aurais décalé le modèle sur le côté parce que dans son bras, entre ses deux bras, on voit passer le chemin. C'est une très belle image. Je trouve que voilà, le chemin au bout c'est très bien, mais ça pollue un peu la lecture en fait au niveau du modèle. Si tu l'aurais décalé un peu, on va dire sur la droite, on aurait vu le bout du chemin, on l'aurait vu au milieu du chemin. Voilà, ça aurait été. Enfin, pas au milieu, mais légèrement décalé, on l'aurait vu sur ce chemin. Ça aurait eu quelque chose d'intéressant. Là, pour moi, il manque une petite partie de quelque chose, en fait. Je sais pas si je suis relativement clair avec ça, mais voilà, pour moi, il aurait fallu, voilà, le décaler. Si on zoome, voilà, les chaussures, tout, voilà, la position de la tête au niveau du modèle, c'est parfait. Les bras, ben voilà, moi qui trouve que, voilà, les bras sont relativement compliqués à mettre et dégueulasses, ben là, c'est pas trop mal. Je trouve que t'as eu un bon truc. Mais tu vois, si on zoome sur la tête, on s'aperçoit très très vite que, voilà, les petits stries, voilà, c'est pas du tout naturel. Si tu y avais appliqué un petit flou, alors lequel, j'en sais rien, sur l'instant T, peut-être un petit truc gaussien, voilà, histoire de que ça soit moins, comment dire, ça fasse moins flèche, moins taillé, quoi. Ça aurait été bien bien mieux, et je lui aurais peut-être retiré la bague, voilà, pour jouer sur les détails. J'aime beaucoup les boucles d'oreilles, mais je trouve que la bague, à la rigueur, n'a rien à faire là, son alliance. On sait pas, ça fait un. Enfin, c'est un anneau, on sait pas trop. Voilà. Sinon, par contre, la robe et le modèle sont superbes. La cambrure est parfaite. Voilà. Le bokeh est très bien réussi. Très très bien réussi. On en voit beaucoup, c'est vrai, mais bon, pourquoi pas. Alors je sais pas si t'as désaturé légèrement au-dessus. Si tu veux, c'est le deuxième problème que j'ai eu. C'est. On ne sait pas s'il y a pas une désaturation au-dessus qui est un peu trop prononcée pour moi. Voilà, je sais pas. Pas de la couleur, j'aurais pas mis de la couleur, mais voilà, je sais pas. Passe-la en noir et blanc, teste-le en noir et blanc, il y a peut-être un intérêt là-dessus aussi à voir. Par contre, voilà, pense bien la prochaine fois, quand tu te poses, ne regarde pas que ta modèle, va plus loin. Dis-toi, voilà, est-ce que si je la décale, qu'est-ce que ça peut donner? On voit le bout du chemin, est-ce que ça peut avoir un intérêt du style, voilà, je suis sur un chemin, je prends la lumière sur le ballon et je vais au bout du chemin. Ça peut être aussi une réflexion intéressante. Donc voilà, j'espère que ben, ma petite analyse t'a plu. Voilà, c'était mon point de vue, comme je dis, et non pas forcément une critique pour une critique. Donc ben, je vous invite à liker et à partager cette vidéo. Je vous invite aussi ben, à aller chercher le e-book, à vous abonner à la chaîne sur ma petite tête. Vous avez un e-book et une formation aussi d'un shooting que vous pouvez récupérer. Donc ben, sur ce, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.